Le parti pris. Le parti pris, c'est le vôtre, Cécile Duflo. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Oxfam et vous venez de publier cette étude sur les salaires des grands patrons. Alors, le constat, c'est que les PDG du CAC 40 gagnent en moyenne 97 fois le salaire moyen de leur employé. Ça, c'est la moyenne. Mais dans les faits, Carlos Tavares, par exemple, de Stellantis, il gagne en quelques heures ce que gagne en moyenne un de ses salariés en un an. Lui, il le gagne donc en quelques heures, même en moins de 3 heures. Votre parti pris ce matin, Cécile Duflo, c'est que vous dénoncez des grands patrons complètement déconnectés. Oui, deux choses. Un, que, en plus, vous l'avez dit, hein, un écart quasiment de 1 à 100, mais en 10 ans, on est passé de 64 à 97. C'est-à-dire qu'on est sur une pente d'augmentation considérable. Et dans les années 80... Voilà, ça empire. Et dans les années 80, et les patrons, c'était, ils n'étaient pas pauvres hein, dans les années 80, et ça avait déjà fait scandale, l'écart dans les entreprises du CAC 40, même pas dans les 100 plus grandes entreprises françaises, pardon, c'était 40. Donc on est sur une pente de, où l'écart s'accroît. Et on pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour les entreprises, ce n'est pas une bonne chose pour l'équilibre de la société. Et on doit pouvoir imaginer d'aller vers davantage de modération. Cécile Duflo, le problème, c'est quoi? C'est que les gros salaires soient trop gros ou c'est que les bas salaires soient trop bas? C'est les deux choses, c'est-à-dire qu'en fait, on pressent, mais on aimerait qu'il y ait une obligation de transparence plus grande sur les écarts de salaire au sein des entreprises. Aujourd'hui, on connaît les salaires les plus élevés, notamment celui du dirigeant, le salaire moyen, mais on n'a pas bien la chronologie de tous ces salaires. Et on pressent qu'il y a une espèce de poids qui pèse sur les salaires les plus bas avec une évolution qui est beaucoup plus faible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le salaire moyen a évolué dans ces entreprises de 24% en 10 ans, celui des dirigeants de 66%. Donc on voit bien que cet écart continue de se creuser, que les salaires les plus élevés augmentent plus vite. Mais ce n'est pas une fatalité parce que de la même manière qu'on a créé le salaire minimum, hein, il y a pendant très longtemps, le salaire minimum n'existait pas, on peut imaginer qu'entreprise par entreprise, secteur par secteur, il y ait cette grille de salaire qui plafonne l'écart entre le salaire médian et le salaire maximum. Et vous voulez réduire à de 1 à un écart de 1 à 20 entre le plus bas salaire dans une entreprise et le plus haut? Non, on n'est même pas aussi révolutionnaire que ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus radicaux. Chez Oxfam, on propose que l'écart, ce soit de 1 à 20 entre le salaire médian. Le salaire médian, c'est le salaire en dessous duquel la moitié des salariés sont payés. Donc vous prenez l'ensemble des salariés, vous coupez en deux, vous avez le salaire médian et le patron ne peut pas être payé plus de 20 fois ce salaire médian. Donc c'est beaucoup plus que le salaire minimum, bien sûr. Mais Cécile Duflo, il y en a un qui, étonnamment, a eu l'air d'être totalement d'accord avec vous hier, c'est Emmanuel Macron. Il était sur le marché à Dole et il a été interpellé par des gens qui étaient là sur votre étude précisément. Et il a dit oui, moi aussi ça me choque. Il a redit plusieurs fois qu'il était choqué, que c'était du coup des gens qui étaient totalement déconnectés, ce qui est aussi le mot que vous utilisez. Il a dit que cet écart n'était en effet pas acceptable. Et pour autant, il a dit oui, mais bon, c'est les entreprises qui décident. Moi, je ne peux rien faire. À un moment, c'est les actionnaires qui décident de valider ou non ce genre de rémunération. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce plafonnement, il existe pour toutes les grandes entreprises publiques. On n'a pas de mal à trouver des super dirigeants pour ces grandes entreprises publiques. Donc il faut dire que déjà ça existe. Ça fait un équivalent de 500 000 euros par an. 500 000 euros par an, c'est un très très gros salaire et ça permet de vivre très confortablement. Après, c'est des gens qui ont une vraie responsabilité beaucoup plus importante. On peut discuter hein, de l'ampleur de cet écart. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça existe. Alors, c'est vrai que ce sont les actionnaires qui décident. Mais dans les grandes entreprises publiques, l'actionnaire, c'est l'État, justement. Donc, exactement. Mais les actionnaires, ils décident. Les actionnaires, ils décident dans un cadre légal. Ils ne peuvent pas décider, par exemple, de pouvoir dépecer l'entreprise au profit de son dirigeant. Il y a des choses qui sont légales et des choses qui ne le sont pas. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est que devienne légal le fait qu'il ne puisse pas y avoir un écart délirant entre les salaires moyens d'une entreprise et le salaire du dirigeant. On ne dit même pas que cette règle doit être la même dans toutes les entreprises. C'est même pas ce qu'on propose. On propose que cette négociation ait lieu par branche, par entreprise, pour que cet écart soit respecté, qui nous semble un écart honnêtement assez large quand même. Hein, assez large. Alors, vous avez dit dans votre introduction qu'on proposait de limiter les salaires à 40 000 euros. Non, je dis en France, le salaire médian, c'est 2 000 euros. Mais il y a des entreprises où c'est 3 000 euros. Donc si c'est 3 000 euros, ça fait un salaire maximum qui est beaucoup plus élevé. Avec une décision aussi branche par branche. Et là, vous êtes plutôt dans le dialogue social, ou en tout cas dans l'idée que le dialogue social doit s'en emparer. Cécile Duflo, restez avec nous. Il y a Jean-Christophe qui voulait réagir, qui nous a appelé au 3216 depuis la Haute-Savoie. Bonjour Jean-Christophe.
Ça vous choque, vous, les très hauts salaires, ou alors ce qui vous choque, c'est la déconnexion éventuelle entre les résultats d'une entreprise et le salaire du patron ? Mais il n'y a rien de choquant, c'est contractuel. Il y a un PDG, il y a un dirigeant qui sait faire des profits à une entreprise. J'étais intervenu sur le même sujet dans les grandes gueules il y a un an, à propos du salaire de Carlos Tavares, qui est un homme brillant, qu'on devrait avoir comme Premier ministre plutôt que chez Peugeot. Mais bon, ça c'est un autre problème. J'avais compté, le salaire de Tavares, c'est à peu près, je crois que c'était entre 1 et 2% de la hausse du bénéfice de Stellantis qu'il a généré. Mais 66 millions d'euros par an, c'est le salaire de Carlos Tavares. Là, c'est cette année. J'ai pas fait les comptes. Alors, cette année, je sais pas. Ça, c'était voilà, en 2021. Moi, je vous parle de l'année passée. C'était 19 millions d'euros. C'était, de mémoire, entre 1 et 2 % des bénéfices qu'il a générés à l'entreprise, au global, au collectif. Donc Stellantis, ça vous choque pas? Donc, de toute façon, n'importe quel salarié à des primes qui, en pourcentage, parce que d'habitude, tous ces gens-là, ils comptent en pourcent pour les impôts. Là, ce matin, il y avait quelqu'un qui disait les entreprises sont taxées à 4%, moi je suis taxé à 30%. C'est pas vrai. Ils sont taxés en moins sur l'ensemble à 30%. Là, le taux marginal, il est à 45%. Mais Jean-Christophe, en tout cas, ce que vous estimez, c'est que ça doit être proportionnel aussi aux résultats. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important pour vous, c'est aussi que le patron doit être quand même, doit répondre aussi aux résultats de son entreprise. La question au-delà de ça, et Jean-Christophe, merci d'être intervenu, je voudrais que Cécile Duflot puisse réagir. Cécile Duflot, il y a la question des salaires, et au-delà de ça, il y a effectivement la question du résultat d'une entreprise. Et parfois, c'est encore pire, parce que vous avez des très gros salaires, et une entreprise qui fait des mauvais résultats, voire même des patrons qui partent avec ce qu'on appelait un parachute doré, alors que les résultats de l'entreprise avaient plongé. Vous avez raison. Alors, deux choses. Déjà, je ne sais pas où travaille Jean-Christophe, mais moi, ce que je sais, c'est que ce n'est pas une personne toute seule qui fait qu'une entreprise réussit. Il y a 264 000 personnes qui travaillent chez Stellantis, et je suis absolument certaine que ça n'est pas du tout Carlos Tavares seul qui permet les succès ou les insuccès de l'entreprise. La deuxième chose, c'est quid du profit. Et ça, c'est intéressant parce que justement, l'indexation du salaire des grands patrons, et on pense d'ailleurs que c'est un des problèmes, est très lié aux résultats de court terme, voire de super court terme de l'entreprise et à ses résultats financiers. Le problème, c'est qu'une entreprise, et notamment une entreprise automobile, face aux défis climatiques, son profit dans la durée, son activité dans la durée, la pérennité de son entreprise, c'est aussi des choix d'investissement sur les 10, 20, 30 prochaines années, d'évolution de l'activité, d'évolution des produits. Et là, le salaire des dirigeants, il est indexé pas sur le fait que l'entreprise va bien aller dans 30 ans et va continuer à faire vivre 264 000 salariés. Hier, c'est il y a eu une annonce de licenciement. C'est uniquement du court terme. Exactement. Donc, on pousse les dirigeants, en plus, à ne pas être de bons stratèges pour leurs entreprises, mais à être uniquement de bons stratèges pour leurs actionnaires. Dans un rendement pour les actionnaires. Cécile Duflot, quand même une dernière question. Quand vous entendez Emmanuel Macron qui, hier, dit partager le fait d'être choqué comme vous, de trouver ça indécent comme vous, vous l'avez trouvé sincère ? Moi, je m'en fiche de sa sincérité, pour être très franche avec vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est conscient qu'il ne peut pas répondre aux gens qui travaillent et qui gagnent des salaires qui n'ont rien à voir, que c'est normal. Plus personne ne peut dire quand même que c'est évidemment si simple. Et moi, je lui dis chiche, on a des propositions. Il y a déjà une proposition de loi qui a été déposée au Parlement pour travailler à cette régulation de l'écart des salaires. Allons-y, faisons-le, parce que la différence, c'est que nous, on fait ces propositions depuis longtemps. Et juste pour dire, sur l'imposition minimum des entreprises dans tous les pays du monde, quand on disait ça il y a 10 ans, on nous traitait d'ONG utopistes. Maintenant, c'est le cas. Donc, je pense que ce sujet-là, justement parce qu'il y a eu cet envol, parce qu'il n'y a plus de régulation naturelle, parce qu'on est passé de 40 à 97, parce que dans certaines entreprises, on est à 1000. Il faut réguler et imposer des écarts décents. Je pense que puisqu'il s'interroge sur quoi faire dans les mois qui viennent et comment réparer une France. Vous avez de quoi l'occuper. Vous avez trouvé de quoi l'occuper. Cécile Duflot, merci en tout cas d'avoir défendu votre parti pris ce matin sur RMC. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre et actuelle directrice générale d'Oxfam.